Merde, je suis en train de rentrer avec Cantalou. Il y a Bogdanov, c'est vrai. Kylian Mbappé, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Chublet, ravi d'être avec vous. Pareil. Alors, demain a lieu le match de l'équipe de France et vous venez justement de déclarer dans une interview « L'argent dans le foot est indécent, mais c'est le marché qui veut ça, je ne vais pas révolutionner le football. » Écoutez, c'est l'évidence. Je ne peux pas, moi, tout seul, révolutionner le football. En tout cas, pas cette année. Si on me laisse 3 ans devant moi, je peux éventuellement changer tout le système économique, mais... Encore faudrait-il que je sois nommé ministre des Finances à la place de Bruno Le Maire, ce qui ne serait pas idiot en soi comme décision. Encore faut-il prendre compte d'une chose, c'est que je suis encore en contrat avec Paris Saint-Germain. Oui. Donc si Emmanuel Macron me veut à tout prix, je pense qu'il faudra, c'est une réalité, qu'il débourse 207 millions d'euros. Mais du coup, vous acceptez les sommes indécentes qu'on vous donne? Ah, je l'assume, je prends les sous. Je prends les sous car je fais mienne cette citation qui est la suivante. Il y a tellement de choses plus importantes que l'argent dans la vie, mais il faut beaucoup d'argent pour les acquérir. C'est de Marx. Karl Marx. Groucho Marx. Ah oui. Je ne sais pas si je révolutionnerai le football, en tout cas une certitude, je ne révolutionnerai jamais le niveau de votre émission. Allez, salut à tous et à lundi sur TF1. Bah ouais. C'est terminé. Et je l'ai mis trop tard. Bon, ça va. Je tire dans l'espace-temps, j'envoie mes photos pour faire mes tracts. Je veux pour samedi. Bon, moi je dis insurrection pacifique, de toute façon, Stéphane et celle. C'est pas besoin de tout casser. Il n'y a pas besoin de Kalachnikov, il n'y a pas besoin de bout de bois, il n'y a pas besoin de mettre le feu. Si tu croises un policier, soit que tu fais un retour du Jedi. Non, ça n'aille. Soit que tu mets une baffe dans la gueule, c'est tout ce qu'ils méritent, et il faut les pompes par les pieds, et puis c'est tout. Jusqu'à temps qu'ils dégueulent le pouvoir, jusqu'à temps qu'ils pleurent vraiment leur mort par terre, jusqu'à temps qu'il y ait une plaque. Alors Michel avait trouvé une solution. C'est que tu n'y es pas par les pieds, tu mets des cordes par terre. Et tu fais comme un main nœud, comme ça. Et en fonction des larmes, avec du sucre ou quoi, le nœud se détache si t'es pardonné d'être un enculé mondain. Tu comprends? Bande de cons. Non, on peut pas dire comme ça. Moi je suis pour le pouvoir par, pour et avec les peuples. Pas pour le pouvoir, par pour avec les riches. C'est que des lois de riches votées. Heureusement qu'il y en a qui résistent. Comme ça. Je fais quand même créer Denis, je suis quand même chef d'état d'âme. Mon certificat d'aptitude prophétique, j'ai un CAP. J'ai un bac, brevet d'aptitude cosmique. Ma vie est une science-fiction. Et ma survie est un miracle. Je suis pas venu là pour m'embranler les couilles. Tu vois. J'aime pas de redescendre tous les jours. Une fois que tu dors, t'es bien. T'es en noosphère. Je ne comprenais pas. Tu diras à Werber pour les fourmis que ça y est, là. Les fourmis, ils en ont plein les couilles. Tu diras à Jovanovic que c'est un gros con. On peut dire comme ça. Tu diras à Bernie de Trust que c'est un messie. Tu diras au docteur Melvin Morse ou la divine connexion dans le jardin des livres. Ben, j'en ai déjà fait deux des EMI, mais je suis déjà mort 14 fois. Alors. Vous faites chier sur Terre, putain, que vous faites chier. Est-ce que vous êtes cons? Des robots. Elle est où l'humanité là? Je comprends pas.